Bienvenue sur Saint-Leu TV. Aujourd'hui, on va vous présenter un saucisse au chouchou. Si vous avez une recette présente à nous, écoutez, vous pouvez nous contacter sur Saint-Leu TV. Vous aurez notre lien sur Facebook. On se fera un plaisir de venir chez vous faire des petits films de vos compositions. Mais aujourd'hui, on va vous présenter donc ce saucisse au chouchou. Dans notre première étape, on va faire bouillir les saucisses. Pourquoi on fait bouillir les saucisses déjà, hein? C'est pour bien sûr enlever le sel et puis trop de gras si les saucisses sont trop grasses. Le conseil, c'est toujours laver les épices, puisque quelquefois les agriculteurs ils utilisent des produits donc qui sont toxiques. Bah, chez les oignons, on fait attention à ses doigts surtout, hein. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va piler les épices, hein. Là, ce que j'ai mis, c'est du gingembre, on a mis de l'ail, j'ai mis pour 1 kg de saucisse à peu près, j'ai mis 8 gousses d'ail, un morceau de gingembre, j'ai mis du caloupilé, hein, une dizaine de feuilles de caloupilé, avec du sel, j'ai mis du poivre. Bon, c'est pareil, hein, chacun sa façon, il y en a qui mettent du sel, il y en a qui mettent pas, il y en a qui mettent du poivre. Bon, moi, je mets du sel et du poivre. Je mets aussi du combava, un bon petit morceau de combava, hein, pour donner du goût, hein, un zeste de combava. J'ajoute un peu de piment oiseau, hein, piment pays, pareil. Hein. Voilà, j'en ai rajouté 6, hein, pour 1 kg de saucisse. Bon, ça devrait le faire. Pour ceux qui aiment le piment, eh ben, les gaillards, ça donne un bon petit goût après. Hein. Voilà. Voilà, donc on va préparer toujours nos chouchous, des beaux petits morceaux. Ça va donner un peu de goût aux saucisses. On va émincer les saucisses. Alors pareil, moi je les coupe en petits morceaux. On peut les couper en plus gros morceaux, en plus petits. On peut les mettre entiers aussi. On peut faire mettre les saucisses entières dans la marmite en faisant son pari. Après, on va commencer la cuisson des saucisses. Alors, pour cuire les saucisses, je vais commencer à les cuire avec un fond d'eau dans la marmite à feu fort. Ça. Voilà. On met ça ici et on va mettre. Je vais mettre à 8, 9. Voilà. Avec, donc on fait cuire les saucisses avec un petit peu d'eau, hein, pour ne pas que les saucisses se dépiotent. En fait, après, elles se détachent complètement de la peau et ça fait de la charpie en fait. Hein. Bon, maintenant que l'eau s'est évaporée, on va pouvoir rajouter 2 cuillères à soupe d'huile pour pouvoir faire revenir nos saucisses. On va les faire frire en fait. Après, on va pouvoir mettre les autres ingrédients. Voilà, là c'est parti pour la friture. Bien doré, on va pouvoir ajouter les oignons. Voilà, que ça prenne bien le goût de l'oignon. On va laisser dorer aussi les oignons. Maintenant, je vais mettre ma petite préparation de tout à l'heure. Les petites épices qui ont été écrasées avec l'ail, le gingembre et autres. On va tout mélanger, tout ça. On va laisser revenir quelques minutes, très peu de temps en tout cas. Voilà. Déjà, ça commence à avoir des bonnes odeurs là. Hein. Je pense que vous le sentez, hein, de l'autre côté de l'écran, hein, les odeurs. Hein. Mmh. Allez, on vous envoie ça. Voilà. Maintenant, on va rajouter un peu de safran pays. Hein, pas trop. Le safran, on a oublié de le citer tout à l'heure, mais oui, dans la cuisine créole, il faut mettre safran, ça donne le goût. Hein. Alors, en fait, on dit safran, mais c'est du curcuma. Hein. On va tourner tout ça. Et maintenant
que ça a pris la couleur du safran, on va mettre les tomates. Et bien, on va mélanger tout ça. Alors il y a des gens bien sûr qui mettent des tomates, il y en a qui ne mettent pas aussi, hein, mais là dans notre cuisson on va rajouter des tomates. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va couvrir bien sûr régulièrement, on va laisser à peu près 10 minutes. Voilà, maintenant qu'on a laissé revenir tous les épices, on va rajouter les chouchous. Les morceaux de chouchou qui vont baigner dans la sauce, on va bien mélanger et ça prenne bien la sauce de partout. Bon, les chouchous apparemment ils sont en train de boire un petit peu le jus là, la sauce. Voilà, pour que les chouchous cuisent bien, on va rajouter un petit peu d'eau quand même. Et je vais prendre un petit peu d'eau avec la préparation des épices. Donc voilà, maintenant le saucisse chouchou est prêt. On a attendu un petit peu plus de 20 minutes finalement, hein, puisque le chouchou il a mis un petit peu plus de temps à cuire. Mais on va tester la cuisson. Effectivement, le chouchou il... Voilà, la fourchette se plante bien dedans, il n'y a pas de problème. Donc tout est cuit. Le curry il est prêt à être dégusté. Voilà, bah viens manger avec nous, t'es